Cette activité s'appelle C'est le bazar et elle consiste à montrer l'efficacité du tri, de trier des objets pour retrouver une certaine valeur parmi ces objets. Dans cette activité, on va illustrer le fait que c'est beaucoup plus facile de retrouver une valeur si on la cherche dans un ensemble trié. Donc l'idée, c'est que vous avez vos 10 cartes. Donc il y en a, si vous êtes par 2 ou par 3, il y en a un du groupe qui choisit une valeur de carte. Vous les mélangez, vous les mettez toutes face cachée. Et ensuite, vous demandez à quelqu'un de votre équipe de retrouver, mettons, le 7 de trèfle. Vous lui dites quelle est la valeur de carte, il doit la retrouver. Et vous, votre boulot, c'est à chaque fois de retourner les cartes une à une jusqu'à arriver au 7 de trèfle. Et quand vous avez atteint le 7 de trèfle, vous devez vous dire, on va le noter sur le tableau ici, combien de coups il vous a fallu pour le trouver. Vous regardez les statistiques qu'on a fait, vous voyez faire des statistiques avec moi, c'est pas très méchant quand même. Ici, si les cartes sont pas triées, voilà les valeurs que vous avez obtenues. Alors il y a certaines valeurs qui sont moins tombées. Alors le 7 au début il n'est pas tombé du tout et puis d'un coup, pof, il est arrivé. Donc il y a deux personnes qui ont fait en 10 fois. Donc vous avez plutôt de la chance en fait, parce qu'il y a plus de gens qui ont fait en d'un coup qu'en 10 coups. Maintenant, je vais vous demander de changer l'expérience. Ce que vous allez faire, c'est que maintenant, les cartes, vous allez les aligner par ordre croissant. Toujours face cachée, mais par ordre croissant. Dites à votre acolyte si c'est plus grand ou plus petit. Et ensuite, pareil, je vais faire les stats et je vais noter les valeurs que vous avez obtenues. Normalement, la répartition des valeurs ne devrait pas être exactement la même que ça. Voilà, à vous. Plus grand. Plus grand. Tu vois ça? 4 et 2. Et ça joue de 2 Non, c'est. D'accord. Alors, imaginez, je prends une carte. Je ne sais pas ce que je cherche. Mais je prends une carte, voilà, je prends cette carte-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends cette carte-là? Si on me dit c'est plus grand, je sais que la carte que je cherche, elle est parmi ces deux-là. Vous voyez tout jusqu'au bout? Oui. Elle est parmi ces deux-là. Si on me dit c'est plus petit, je sais qu'elle est parmi ces 7 ici. Donc du coup, je ne vais plus devoir chercher parmi toutes celles qui restent, par les 1009 qui restent, ce qui était le cas quand je faisais au hasard. Je devais chercher une carte parmi 9. Ici, je dois en chercher une parmi 2 ou une parmi 7. Alors maintenant, la question que je vous pose, est-ce que j'ai bien choisi ma première carte? Non. Donc je retourne celle-là, et maintenant il y a deux possibilités. Soit on me dit c'est plus petit, et auquel cas la valeur elle est à choisir parmi ici. Soit on me dit c'est plus grand, et la valeur elle est à choisir parmi là. Si j'ai de la chance, on va me dire quoi? C'est plus petit ou c'est plus grand? C'est plus petit, parce qu'il n'y a que 4 cartes là. Si j'ai pas de chance, on va me dire c'est plus grand, et je devrais chercher parmi 5. Mais c'est toujours mieux de chercher parmi 5 que parmi 9. Ok, c'est plus petit. Donc du coup, celle-ci, c'est fini, celle-ci, c'est fini, il ne me reste plus que ces deux-là. Je prends laquelle? Celle du milieu? D'accord, quand il m'en reste deux, l'une ou l'autre, c'est pareil. Je vais faire comme tout à l'heure, je suis ordinateur, on m'a dit de prendre celle de gauche, je prends toujours celle de gauche. Et on me dit, alors soit j'ai de la chance, on me dit, t'as gagné, soit on me dit, c'est plus grand, et auquel cas, j'ai trouvé ici, j'ai trouvé en 4 coups. Maintenant, on va essayer de s'intéresser au cas où on n'a pas de chance. Quand on n'a pas de chance, ce qui va se passer, on va toujours continuer la stratégie de prendre la carte du milieu, mais à chaque fois, on va nous dire c'est plus petit ou c'est plus grand pour choisir de nous laisser le plus grand ensemble de cartes restantes. Donc si comme au départ, je choisis cette carte-là, si je n'ai pas de chance, ici il y a 17 cartes, ici il y en a 18, si je n'ai pas de chance, on va me dire que la valeur à trouver est plus petite. Donc il y en a 18, je vais essayer de prendre celle du milieu. C'est celle-ci ou celle-là. Je retourne cette carte. Si je n'ai pas de chance, il y a 9 cartes ici. Il y en a 8 là. On va me dire que ma carte, elle est plus petite. Donc, je vais chercher parmi ces cartes. Celle du milieu, c'est celle-ci. Alors là, que j'ai de la chance ou pas, il y a 4 cartes de chaque côté. Donc, mettons, on va me dire c'est plus grand. Donc, je vais chercher parmi celle-là. Je vais essayer de taper à peu près au milieu. Et donc, je vais prendre cette carte-là. Maintenant, si je n'ai pas de chance, on ne va pas me dire ici parce qu'il ne reste plus qu'une carte, mais là. Et donc, je vais essayer de choisir une des deux cartes qui sont plus grandes que cette valeur-là et plus petites que celle-là.
celle-ci par exemple. Et si je n'ai pas de chance, ce n'est pas la bonne valeur, et donc je dois retourner cette carte-là. Donc ici, avec mes 36 cartes, dans le pire des cas, il faut retourner 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et c'est le pire des cas pour 36. Maintenant, la question qui se pose, c'est si ces cartes, qui font 4 cm de large, j'en mets 1 million de cartes. 1 million collées les unes à côté des autres, ça fait comme si, à partir de cette carte de 4 cm, je mettais 40 km de cartes. La question que je vous pose, c'est combien de fois, combien de cartes il faudrait que je retourne en suivant ma stratégie pour retrouver une carte parmi 1 million ? Oui, ce qu'il y a une valeur à proposer. Je ne vous demande pas qu'elle soit vraie, je vous demande que ce soit votre intuition. 600 000. Une autre valeur, proposez. Pour 50 cartes, j'avais besoin de 6 coups. Pour 1 million, j'ai besoin de 6 coups pareil. 500 000. Je note 6. 8. 16. 1. Je vais vous demander de voter chacun pour une des propositions et on va essayer de voir à main levée quelle proposition a le plus de succès. D'accord ? Plus près de 1200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est juste pour vous montrer qu'une question comme ça, à part ceux qui calculent frénétiquement sur un bout de papier, les idées, les intuitions que vous avez dessus sont très, très variables. Eh bien, la réponse, parmi 1 million, si je retourne 20 cartes, ça suffit pour en retourner une parmi 1 million. Donc, vous pourriez me dire, oui, là, si je dois retrouver une carte parmi 1 million, peut-être que je n'en retourne que 20, mais pour aller chercher la première carte, j'ai besoin quand même de faire 20 km pour aller chercher la carte du milieu. Donc, ça me ferait quand même pas mal de trajet. Mais il se trouve que, pour un ordinateur, ici, les valeurs, elles ne seraient pas posées par terre sur 40 km, mais elles seraient stockées dans la mémoire de l'ordinateur. Et dans la mémoire vive de l'ordinateur, les informations sont stockées de telle manière que accéder à la première case mémoire, à celle du milieu ou à la dernière, ça prend exactement le même temps pour un ordinateur. Donc pour l'ordinateur, justement, accéder à une case mémoire ou à une autre, ça prend exactement le même temps. Donc rechercher une valeur parmi 1 million, ça lui prendrait 20 fois regarder une valeur et décider si la valeur à rechercher est plus petite ou plus grande et calculer quel est le numéro de la case, quel est le numéro de la carte qu'il faut aller rechercher après. Donc ce serait très efficace.